Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. En fait, je voulais vous montrer mon petit craquage Black Friday. Alors, chose que je ne savais pas en tout cas concernant l'ancienne Zara, c'est qu'il faisait Black Friday, non pas donc le vendredi 27 ou 28, je sais plus, mais jeudi, donc la veille, je crois que ça avait commencé entre 20h et 22h. Je ne le savais pas. Bah, par contre, je le savais pour Mango parce que j'avais vu une story, je ne sais plus qui sur Instagram, une influenceuse qui donnait l'info. Et donc, j'ai été sur le site et j'ai complètement craqué. Je viens de déballer mes achats, je n'ai pas encore essayé, donc je vous montrerai les articles portés. Donc vous allez voir, j'ai pris que des pulls, j'ai pris une seule robe, mais le reste ce sont que des pulls. Alors si vous n'êtes pas fan de pulls, ou alors si vous aimez pas les pulls, zappez cette partie là Alors je commence tout de suite par ce pull torsadé comme ça. Alors il est beige comme ça avec du fil doré, il est très joli. Alors je le voyais un peu plus épais sur le site et j'ai fait l'erreur en fait pour cette commande-ci, en tout cas de chez Mango, de prendre tout en M. Moi j'aime bien, j'aime pas porter les vêtements trop près du corps, j'aime bien être à l'aise et porter un peu loose. Mais là pour le coup à la base il était bien oversize. Et j'ai pris du M et j'aurais dû prendre du S. Alors je ne l'ai pas encore essayé, donc je vous montrerai portée, vous allez le voir. Mais à vue d'œil comme ça, à mon avis, ça va être un peu grand. Surtout plus en fait au niveau des bras. Encore au niveau de la longueur du pull, ça ne me dérange pas beaucoup qu'il soit long. Mais plus en fait au niveau des bras. Donc je sais pas, à voir. Alors j'ai gardé la facture Mango qui est ici. Et donc le pull beige m'a coûté 17,90€. Ça va, au lieu de 35,90€. Voilà. Un deuxième pull et un autre beige. Pareil, j'ai regretté de l'avoir surtaillé parce que celui-ci pour le coup était vraiment super long en fait. Surtout là, autant pour l'autre c'était au niveau des bras. Mais là celui-ci franchement il est, il est long, sachant que moi je suis petite. Donc je sais pas, je verrai lorsque je l'essayerai. Mais je suis un petit peu deck parce que je l'aimais beaucoup. Il est épais comme ça, col rond, donc pareil, hein, torsadé. Il est bien épais celui-ci par rapport à l'autre. Vous voyez comme il est lent rien qu'au niveau des bras là. Waouh, je pense que celui-ci je vais le retourner. On verra en essayant, mais ça sent le retour, de ce pull là. Encore un pull, et celui-ci c'est mon coup de cœur. C'est un pull couleur terracotta, tout simplement. Il est hyper beau, hyper joli. Et encore, je trouve qu'au niveau de la couleur, en vidéo comme ça, ça rend pas du tout justice en fait à la vraie couleur du pull. C'est un pull doudou, il est trop beau, il est vraiment trop beau. Je le trouve un petit peu transparent. Vous voyez, on voit, on aperçoit un petit peu la couleur de la peau. Donc à voir comment est-ce que je le porte avec un débardeur ou je sais pas, je verrai. Pareil, il est immense, je l'ai pris en M. Mais celui-ci, je le garde. Ça, c'est sûr que je le garde. Je le verrai bien avec une jupe hyper longue avec cette tonalité de couleur, avec du noir, avec un peu de marron terracotta comme ça. Cassé avec des bottines beige, pourquoi pas noir. Ouais, il est super joli. C'est vraiment mon coup de cœur de toute la commande Mango. Ensuite un autre pull, et celui-ci je suis hyper déçue par la qualité, par le modèle, par la forme du pull. En fait je le voyais pas comme ça. C'est soit je me suis trompée lorsque je l'ai mis sur mon panier, ou alors ils m'ont envoyé un article qui n'a absolument rien à voir avec la description. En fait je le trouve déjà hyper lourd, et puis au niveau de la maille je trouve que c'est une maille, je saurais pas vous décrire en fait comment il est au niveau de la maille. Vous voyez, c'est une maille hyper transparente, et moi j'ai vraiment un problème avec les pulls transparents. J'aime pas ça, j'aime pas qu'on voie ma peau ou ma lingerie ou quoi que ce soit. Si dit, la couleur elle est canon, c'est un beau jaune moutarde, mais au niveau du tombé je suis pas fan du tout, pas fan. Donc il m'a coûté, alors je vous ai pas dit, pour le terracotta il m'a coûté donc 17,99€, et le jaune il m'a coûté 13,99€. Je sais pas, après je l'ai pas essayé, si ça se trouve je vais le garder, mais premier abord comme ça, lorsque je l'ai vu, j'ai fait un peu déçue lorsque j'ai ouvert l'emballage. Ensuite, dernier article chez Mango, pareil, une petite déception. Alors c'est une robe, enfin déception, pas vraiment une déception, c'est-à-dire que je m'attendais pas avoir ces couleurs là en fait. Alors c'est un imprimé comme ça, animal, elle est longue, pareil je vous mettrai une photo portée. J'ai pas pris le temps de bien défiler en fait la photo du mannequin. C'est que le dos est ouvert, attendez je vous montre, hop, vous voyez le dos est ouvert. Après je sais pas si je vais, pareil, si je vais la garder ou pas. Voilà le bas de la robe, elle se resserre avec des nœuds là sur le côté. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que l'imprimé en fait je voyais pas autant de
autant de jaune orangé comme ça en fait. Je trouve que l'association du... c'est trop fort en fait. La couleur du orange et du jaune, elles sont trop fortes en tout cas à mon goût. Je la voyais pas du tout comme ça sur le site. Ouais, c'est un peu, c'est une deuxième déception donc de ma commande Mango. Après pareil, donc je vais la porter et on verra bien ce que ça rendra. Ensuite, chez Zara, comme je vous disais, donc Zara, je ne savais pas du tout qu'il commençait le Black Friday, donc comme Mango, un peu la veille. Avant que j'oublie, je vous dis le prix de la robe. Elle m'a coûté 23,90€. On passe du coup. Oui, voilà ce que je disais du coup par rapport à Zara. Sachant que j'avais déjà donc la veille craqué chez Mango. J'étais allée juste pour mon fils, en fait. C'est un peu ce qu'il faisait au niveau chez les enfants, donc c'était pour mon fils. Et du coup, j'ai craqué sur 1, 2, ouais, 3 articles. Et en fait Zara cette année ils ont fait un Black Friday de dingue. Déjà je suis arrivée le matin, il était... Je suis arrivée un peu tôt parce que je pensais qu'ils ouvraient à 9h, mais ils ouvraient finalement à 10h. Donc j'étais un peu en avance, j'attendais devant. Et on voyait un monde, en fait le Zara où moi j'y vais, il se trouve dans une rue commerçante. Vous avez plein de commerces, plein d'enseignes type Pull & Bear, H&M, Stradivarius, Sephora, enfin tout ça quoi. Et la seule ancienne qui avait du monde, qui faisait la queue, qui était là, limite les meufs, elles se tiraient par les cheveux pour pouvoir choper tel et tel article, c'était bien chez Zara. Il y avait un monde. Moi, je m'attendais pas à trouver autant de choses. J'ai pas craqué, j'ai pas tout acheté. Comme je vous disais, j'avais déjà craqué chez Mango. Donc voilà, il fallait rester raisonnable quand même. Mais cette année, ils ont fait un super Black Friday. Pour moi, en tout cas, à mon sens, ça valait encore plus le coup que pendant les soldes. Plein de manteaux que j'avais repérés, que je trouvais super jolis. Vous savez, les manteaux là, chic, un peu casual comme ça, long, qui se resserrent au niveau de la taille et tout, qui faisaient à la base 129€, donc qui étaient en promo à moins 40%. Pareil, j'avais repéré une belle paire de cuissardes couleur bordeaux. En ce moment, je suis à la recherche d'une paire de cuissardes couleur bordeaux. Bref, pareil, elle faisait 69€, 79€, je sais plus, en promo, c'est à moins 40%. Plein de jupes, plein de petits tops. Bah, c'était pas la collection actuelle, mais c'était une collection pas très loin, hein, de septembre, octobre, vers là. Et du coup, j'étais dégoûtée quand même, j'avais déjà craqué mon slip, entre guillemets, un peu chez Mango. Donc du coup, je repartis avec trois articles, à commencer par cette petite blouse que j'aime beaucoup. Hop, j'ai adoré le col. J'ai adoré les manches, c'est des manches bouffantes comme ça. Alors les manches comme ça bouffantes, ça vous structure tout de suite en fait les épaules. Moi j'adore, sachant que j'ai pas les épaules, vous voyez, très développées. Avec ce style de manche là, moi j'adore. Elle est imprimée comme ça, Prince de Galles. En soi elle est simple, mais voilà, c'est les petits détails en fait au niveau du col et des manches en fait qui font toute la différence. Encore une blouse, cette fois-ci une blouse léopard, un peu dans le même style au niveau des épaules. Vous voyez là, on ne la voit pas comme ça, mais vous allez la voir portée. C'est exactement la même chose en fait, les épaules comme ça, en ballon, les épaules structurées comme ça. Alors on retrouve des boutons comme ça sur le devant et elle se noue en fait au niveau du cou. Elle se resserre un petit peu au niveau de la taille, vous voyez, elle marque la taille et hop, elle repart évasée comme ceci. À 39,99€, donc moins 40%. Et sachant que moi je travaille dans le groupe Inditex en fait, Zara, etc., donc j'ai une remise supplémentaire chez Zara. Ensuite j'ai craqué pour ce sac, mais je vais le retourner parce qu'il s'est cassé. Un magnifique sac pochette comme ça, noir, une belle inspi Cézanne. Il est super beau. Alors dès que je l'ai vu, j'ai dit, lui obligé, je repars avec. Alors on retrouve deux compartiments comme ça. Le petit souci, c'est que le jour où je l'ai porté pour la première fois, il s'est cassé, vous voyez, hop, il s'est complètement donc il s'est déchiré. J'ai encore le ticket de caisse, je vais aller donc me faire rembourser. Après, si le sac il est encore disponible, donc je ferai éventuellement un échange. Voilà en ce qui concerne Zara. Alors ensuite, chez Zalando cette fois-ci. Alors j'étais à la recherche d'une paire de bottes en fait pour ma mère, c'était pour son anniversaire, et du coup elle me disait non non, prends pas une paire de bottes, j'en ai plein et tout. Et du coup bah, j'ai craqué pour moi. C'est de la marque Pepe Jean. Hop, je vais vous les montrer. Et voici, elles sont trop belles, elles font trop penser à celles de chez Isabelle Marant. Bah après, celles de chez Isabelle Marant, le bout n'est pas aussi pointu, mais c'est exactement les mêmes motifs, le même talon, la même couleur, enfin le même style quoi, avec la fermeture éclair sur le côté, etc. Elles coûtaient 100,
139 euros, j'ai pas la facture, ouais 139 ou 129, elle était soldée à moins 60% et j'avais en plus donc ce jour-là une remise de 10% en plus. Le bémol c'est que j'ai pris un 38, donc ma taille habituelle, et elle taille hyper grande, je vous jure, j'ai l'impression que dès que je les ai vus de toute façon je me suis dit ça va être trop grand. Et alors je sais pas en fait, je me tâte à les retourner parce que si je les retourne, les frais de retour sont à mes frais. Alors ils proposent les retours via la poste et vous comme moi savons très bien que la poste au niveau des envois des colis c'est hyper cher. En tout cas moi à chaque fois que j'ai eu affaire à des envois via la poste, ça a été vraiment très très cher. Sachant que la botte elle est quand même lourde, on ajoute à ça le carton. Alors je sais pas, ma mère elle m'a parlé d'ajouter une semelle. Je sais qu'elle a fait ça avec une paire de chaussures, avec sa paire de chaussures qui lui allait grande, et elle m'a dit que c'était très bien. Alors c'est soit je fais ça pour une dizaine ou quinzaine d'euros, je sais pas, me faire poser une semelle, soit je les retourne, mais je devrais quand même payer des frais de retour qui à mon avis vont pas être moins de 30 euros. Donc je sais pas, elles sont jolies, elles sont canons. Après, même avec une paire de chaussettes, je me suis dit, bon, je vais essayer avec une paire de chaussettes pour voir. Peut-être qu'elles passeront avec une paire de chaussettes. Même avec une paire de chaussettes, mon pied, en fait, lorsque je marche, déjà, je ne suis pas à l'aise. Et puis, mon pied, en fait, il sort. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée pour cette paire de bottines. Je les attendais tellement. Ouais, bon, c'est pas grave. On verra. Après, on verra. Dernier craquage cosmétique cette fois-ci. J'ai pris 3 rouges à lèvres et un blush de chez MAC. Je vais commencer par le blush. C'est le plat. C'est le blush Melba. C'est vraiment un joli rose froid comme ça. Hop, voilà, de chez MAC. Ensuite, j'ai pris ce rouge à lèvres, un joli nude marron comme ça. C'est le Whirl. Voilà. Deuxième rouge à lèvres, donc toujours de chez MAC, celui-ci. Et c'est le Whirl. C'est un bois de rose un peu. Voilà. Et le dernier, c'est un Chili. C'est un joli rouge que je n'avais pas en fait dans ma collection de rouges. Voilà, c'est un rouge assez foncé comme ça qui tire vers le bordeaux. Voilà. Alors je vous reprends en fait, je viens d'essayer du coup le pull. J'avais laissé la robe en fait avec pour voir ce que ça donnait. Et j'ai mis donc les bottines, vous savez mes bottines que je viens de vous présenter. Et franchement je trouve que ça fait plutôt pas mal du tout ce petit look. Est-ce qu'on voit bien? J'ai pas l'impression qu'on voit très bien. Vous savez ce que je vais faire? Hop, je fais ça. Et je descends petit à petit pour que vous puissiez voir en fait... la combinaison en fait de tout ça. Franchement ça rend très bien. Et je pense que je vais finalement garder la robe. Moi qui n'était pas très chaude au début pour la garder, je pense que je vais la garder parce que je trouve qu'elle rend très bien en fait avec le pull. Et finalement les couleurs elles sont pas si choquantes que ça. Bah, dites le moi en commentaire vous si ça vous choque un peu ce jaune orangé comme ça. Juste peut-être ceinturer un peu juste pour marquer un peu la taille, vous savez, à ce niveau là. Et franchement avec les bottines j'aime beaucoup. Avec un petit manteau couleur camel, je crois que je vais tout garder en ce qui concerne Mango. Voilà, dites le moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà donc les achats concernant le Black Friday, il a vraiment été très raisonnable en tout cas comparé à l'année dernière. Voilà, j'ai acheté ce qu'il me fallait. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. D'ici là, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.